Cet épisode commence avec Hasan, qui est en face de Yaji et demande à sa sœur si c'est lui qui l'a aidé, et demande ensuite si elle a dormi dans sa maison. Et c'est dit que cela est le cas, et dit qu'elle est reconnaissante pour cela. Yaji lui dit que cela était nécessaire, et dit que son téléphone était chez Sinan, et il fallait qu'il le ramène. Hasan partir à sa sœur et elles s'en vont. Une fois dehors, elle demande à Essé s'il lui a fait quelque chose, et elle dit que cela n'est pas le cas, et l'a beaucoup aidé, et la prend dans ses bras. De l'autre côté, Sinan arrive chez Yaji, et est déçu de les avoir manqués. Sinan demande à son frère s'il a vécu une grande aventure hier, et celui-ci dit qu'il comprend maintenant, et dit qu'Hasan n'est pas une si mauvaise grande, et dit qu'il a été impressionné. Sinan est étonné de le voir dire un mot gentil sur Hasan, et Yaji lui dit ensuite qu'elle se vend de la sorte pour le bien de sa sœur, force son respect. Alors Sinan est dégoûté par ses paroles à propos de Hasan, et veut s'en aller. Yaji lui dit que son père a bien fait d'insister, ce qu'il ne devait pas lever le petit doigt, et dit que tout est clair maintenant, et Sinan s'en va. De l'autre côté, Hasan et Essé arrivent à la maison, elle appelle sa mère, et celle-ci lui dit qu'elles ne peuvent pas continuellement être un fardeau pour cette famille, et dit qu'elles doivent trouver quelque chose. Hasan lui demande de regarder d'abord sa fille. Elle se lève, avance vers elle sans rien dire, puis la prend dans ses bras, et est très heureuse de la revoir. De l'autre côté, Sinan est dans sa voiture, et dit qu'il va voir comment Hasan va s'excuser maintenant. De son côté, Hasan est avec sa mère et Essé, et celle-ci est fière que sa fille soit de retour, et lui dit qu'elle a brûlé ses mains, et lui promet qu'elle ne va plus jamais la frapper. Alors Hasan lui dit qu'ils doivent discuter, et sa mère lui dit qu'elle a raison, et dit que sa sœur est à présent là, elles vont repartir de zéro. Alors, Hasan se retire dans un coin de la maison, sort son téléphone, et essaie de demander les excuses à Sinan. Celui-ci lui demande de sortir, et de le faire en personne. Or, il lui donne une phase à répéter, pour présenter ses excuses, et lui dit à la fin d'accepter les clés de la maison. Elle dit qu'elle ne veut pas, et ne peut pas devenir son entraîneur personnel. Elle dit ensuite qu'elle n'aime pas qu'on lui dise ce qu'elle doit faire, et celui-ci met la clé par force dans ses mains, et entre dans sa voiture. Elle menace de jeter cette clé, et Sinan ne dit rien, et s'en va. Pendant qu'ils discutaient, Fazile les regardait de façon discrète par la fenêtre. Puis elle sort, et demande à sa fille, ce qu'elle fait dehors. Hasan lui dit qu'elle regardait la route, et Fazile lui demande d'aller discuter avec sa jeune sœur, et dit qu'elle s'en va vendre quelque chose, avant le retour de Binaz. Hasan lui dit qu'elle va aller chercher du travail et s'en va. Une fois Hasan partie, celle-ci ramasse les clés de la maison, qu'elle avait jetées au sol, pendant sa discussion avec Sinan. Fazile arrive chez Azim, et rencontre une servante, qui lui parle d'une enveloppe, et demande si elle est revenue la chercher. Fazile dit qu'elle peut la garder, et dit qu'elle est venue discuter avec Azim et force le passage, pour entrer à la maison. Elle vient vers lui, et lui tend les clés de la maison, et lui dit qu'elle est venue lui donner ses clés. Pendant ce temps, Yasmine arrive à la maison avec Gokhan, et Sinan fait pareil. Yasmine dit à Gokhan que Sinan a fait l'accident, et il a acheté une nouvelle voiture, et une maison à sa copine, et son père n'a rien dit. Sinan vient vers son frère, et lui demande comment il se sent, après avoir remporté l'appel d'offres. Gokhan lui dit d'arrêter de dire lire un peu les journaux, et s'en va. Il demande à Yasmine ce qui se passe, et elle lui demande de venir avec elle. Pendant ce temps, Fazile dit qu'elle aimerait donner une bonne leçon de vie à son fils, et dit qu'elle sait qu'il n'a pas acheté cette maison pour rien. Elle dit ensuite que s'il regrettait vraiment, et lui demandait de venir travailler comme femme de maison, elle pouvait le faire, et devait se dire qu'il veut vraiment les aider. Elle dit ensuite qu'il donnait cette maison avec des conditions, et il a dit qu'elle doit travailler pour lui personnellement, et demande de quel type de travail, et s'agit de la sorte. Azim lui dit qu'elle a raison, et dit que cela est une belle leçon de vie, et que son fils n'a pas acheté cette maison pour rien. De l'autre côté, Yasmine explique la situation de Gokhan à son frère, Sinan, et dit qu'elle a besoin de son aide pour lui. Il dit que la situation est déplorable, et dit ensuite que son père sait très bien ce qu'il fait. Pendant ce temps, Fazile demande à Azim ce qu'il veut dire, il dit alors qu'il veut la voir au travail le lendemain matin, et dit ensuite qu'elle peut garder la maison. Elle le remercie, et demande si elle ne doit pas avertir son fils Sinan au préalable, et il lui demande de partir. Une fois parti, il dit en lui-même, « Nous verrons Sinan ». De l'autre côté, Yasmine est avec son mari dans la chambre, et dit qu'ils doivent aller dîner, et se relaxer ce soir, avec ses frères. Gokhan lui dit qu'il est en colère contre ses frères,
et elle lui demande d'aller se relaxer avec eux. Elle dit qu'il est temps qu'il entre en conflit, pas seulement avec Yaji, mais il faut que tous les frères se querellent. Il lui demande comment ils vont faire pour introduire Sinan à l'intérieur de la querelle, et elle dit que Yaji est déjà en colère contre lui, et dit que cela sera facile. De son côté, Sinan est au téléphone, et réserve une table pour lui et ses frères. Il est sur son chemin. Il croit Fat qui lui montre les clés de sa maison, avant de partir. Il demande ce qui se passe, et on lui dit que son père demande après lui. Il va le voir, et lui demande comment s'est passé les négociations. Son père lui demande d'oublier les négociations, et lui dit qu'il a appris qu'il partageait les maisons aux personnes, et Sinan dit à son père qu'il va lui rembourser l'argent. Il dit ensuite qu'il a fait cela, car Hasan était en difficulté à cause de lui. Son père lui dit qu'il ne s'inquiète pas, et dit que Fazilev va travailler dans leur maison, et cela va payer leurs dettes. Il dit à son fils, qu'il a joué avec la fille, et s'est fait doubler par la mère, et s'en va. Étonné, Sinan demande ce qui vient de se passer. De l'autre côté, Hasan est avec Obu, et celui-ci les donne les nouvelles de Yasin. Il leur dit qu'il va bien, et dit qu'il a perdu beaucoup de sang. Et s'est dit que cela est de sa faute, et dit qu'elle a mis beaucoup de temps, avant de demander de l'aide. Obu dit ensuite, que si celui-ci ne va pas en prison, il ne pourra plus retourner dans la maison familiale, à cause de son père. Et s'est dit qu'il ne doit pas aller en prison, et dit qu'elle est allée d'elle-même. Obu lui dit d'aller dire ce... et dit qu'il doit retourner à l'hôpital. Une fois Obu parti, Azim lui demande s'il s'est passé quelque chose avec lui là-bas, et elle dit qu'il ne s'est rien passé. De l'autre côté, Fazilet est contente de retrouver sa maison, et essaie de remettre les choses en place. Hasan vient la voir, et dit qu'elle a ramassé les clés dans la rue, et dit que la maison n'est pas à eux. Hasan dit qu'elle n'a pas accepté l'offre de Sinan. Fazilet demande à ses filles de se calmer, et dit qu'elle a accepté l'offre d'Azim, et sa fille est surprise. En soirée, Hasan est avec sa sœur dans la chambre, et celle-ci est étonnée du fait que sa mère ait accepté de travailler pour Azim. Et c'est lui dit qu'il offre de super travail et lui, et dit que Sinan a bien voulu lui donner du travail, et l'a acheté une maison. Ce qui se passe entre eux, et Hasan dit qu'elle n'a aucune idée. Elle dit qu'elle pense souvent qu'il joue avec elle, et souvent elle voit dans son regard, et se dit qu'il peut être sincère, surtout lorsqu'elle lui a parlé de leur père au restaurant. Et c'est dit qu'elle arrive à s'ouvrir à Sinan, et Hasan ne sait plus quoi penser, et dit qu'elle a souvent envie de lui dire qu'elle n'est pas un jouet. De l'autre côté, Yaji et ses frères sont en train de dîner, et comme de suggérer Yasmine à son mari. Gokhan dit à Yaji, qu'il lui a livré à son père, et Yaji dit que leur père a pris la bonne décision, malgré qu'il l'ait fait tard. Il dit ensuite, que lorsqu'il verra les effets de cette décision dans quelques temps, et repensera de cette soirée autrement. Gokhan dit alors à Yaji, qu'il l'admire beaucoup, et cela parce qu'il n'a pas de sensibilité, et dit que c'est la raison pour laquelle il n'a pas gagné. Il dit ensuite que Yaji n'a jamais été sensible, depuis son enfance, et Yaji lui demande ce qu'il sait de son enfance. Il dit qu'il a été envoyé en pension, dès l'âge de 12 ans, et a grandi seul. Il dit alors à Gokhan de ne pas lui parler de car personne de la famille ne connaît son enfance. Puis, il se lève, et s'en va prendre de l'air dehors. Sinan dit à Gokhan, qu'il n'aurait pas dû lui parler de son enfance, et celui-ci dit que tout va bien, et dit qu'il a reçu de bonnes compensations, pour toutes les années qu'il a passées seul. Puis, il s'en va dans les toilettes, et repense à ce que Yasmine lui a demandé de faire, et dit qu'il n'a pas à ajouter de l'huile sur le feu, et se demande ensuite, ce qu'il est venu faire au restaurant. De l'autre côté, Hasan dit à sa sœur qu'elle est perdue, et dit que personne n'avait touché son cœur de la sorte depuis longtemps. Et C lui demande pourquoi elle n'ouvre pas son cœur à la chance. Elle dit qu'elle ne peut pas, car elle sait qu'il va jouer avec elle, et qu'elle risque de perdre son orgueil, ainsi que son cœur. Et C lui dit qu'elle a raison, et dit qu'il est inhabituel, et dit qu'il n'est pas comme son frère. Alors Fazilet qui était à la porte, et les écoutait, entre dans la chambre, et lui demande ce qu'elle sait de son frère. Et C lui dit rien en particulier, et dit qu'il a juste l'air plus sérieux.